La mission Stéphane Bern va apporter un soutien financier à 18 sites français en péril cette année grâce au loto du patrimoine. Les heureux gagnants viennent d'être révélés dans le Grand Est. C'est le château de Rue en Haute-Marne qui a été retenu. Aurore Trépeu, Maxime Meyer. C'est des pierres que j'ai fait découper pour faire le dessus de l'escalier, le rhabillage de l'escalier extérieur. Pascal Plantgenet n'a pas attendu la mission Berne pour commencer les travaux du château de Rue. C'est en 2003 que cet ancien paysagiste a acheté cette maison de forge pour se lancer dans sa rénovation. Si les murs se portent bien, la toiture et les cheminées sont en très mauvais état. Problème, l'édifice n'est pas protégé au titre des bâtiments historiques et ne rentre dans aucun dispositif d'aide financière classique. La mission Berne était donc son dernier espoir. C'est vrai que quand on a une aide comme ça, ça encourage de continuer. Je ne pense pas qu'on le fait pour qu'on y ait de l'argent, mais on le fait parce que c'est une passion. En tout, la rénovation du toit, des cheminées et des ingrédients de ce château devrait coûter entre 450 000 et 500 000 euros. C'est le gros chantier de cette ancienne maison de forge. Très nombreuses en Haute-Marne, elles sont un atout pour le département selon la Fondation du patrimoine. Elles sont aussi le révélateur d'une grande période, d'une épopée industrielle, mais aussi artistique. C'est un département qui a su allier les deux. On parle souvent de l'école de Nancy ou des choses comme ça qui allient art et technique. Mais la Haute-Marne a fait ça à la même époque, dès le 19e siècle d'ailleurs. Et je trouve que ce sont des bâtiments qui sont les symboles de cette période. C'est aussi une transition entre le monde industriel et la belle demeure, puisque ces maisons sont la synthèse de tout cela. Le loto du patrimoine se déroulera en septembre 2021. C'est à ce moment-là que Pascal Plantgenet connaîtra le montant de l'enveloppe qui lui sera attribuée. Les travaux pourraient alors commencer début 2022.